C'est Tito, yo! Comment nous y est? Faut que nous disions comment nous y est. Est-ce que nous en forme? Parce que nous bien. Ok. Je vous dis, on te dit dans la vidéo 15 ans, nous prenons le fond de ce website. Tout ça, nous te voyons déjà, tout tag, nous prenons le mettre tout ensemble pour nous faire un petit website. Parce que l'autre vidéo que nous prenons sortir, c'est l'autre bagage nous prenons l'attaquer. Eh bien, avant de commencer, un fanti détiré. Ah! On craque douette parce que nous allons taper un pile code. Nous allons taper un pile code. Nous ne pouvons pas le modifier website. Nous ne pouvons pas le sur WordPress. Al ce Joomla le modifier. Nous pourrons le créer. On craque douette. Ok. Let's go. Nous te disons là, on website. Premier bagage pour faire, c'est un folder. En fait, un folder. Clique droit pour faire un folder. Après, vous avez un folder. Nous disons que le folder, c'est votre website. C'est le qui a tout le bagage qui a notre website. Net. Après, le folder, my first website. My, ou quand même, n'importe où. My first website. Premier website. Moi. Ok. Enfin. Nous disons, si vous n'avez pas d'image, ou pas de musique, ou pas de vidéo, ou pas de notre website, là. Deuxième bagage à attaquer, c'est texte éditeur qui c'est Sublime. Bah ouais, je compte sur appétit, mais nous te disons que c'est Sublime à utiliser. Sublime, nouvelle. On ferme ça. Après, là, on fait nouvelle, on fait nouveau fichier. Dans la file, new file. Quand on vient faire nouveau fichier, new file, ou en bas, dans plein texte, ou on dit Sublime qui est avec HTML, ou on peut le servir. Mettez-le sur HTML. Après, nous allons commencer, nous allons commencer, mettez tag. Premier tag, mettez c'est doc type. Qui là qui pour dire website noir à vivre. Deuxième tag HTML parce que tout web tout bagage qui parle de website là pendant head tête website là body te met à le fermer la net bon côté HTML là parce que tout ça qui peut être en dans le website là dans Windows c'est en dans l'API. Underhead nous dit que nous title, qui c'est titre website là. On a le sur website, on a le sur Facebook, par exemple, après là, ça passe tutorial, c'est titre page là. Title. My first website. Ok. Nous te dit qu'on tag qui est important pour nous mettre là. Il faut toujours changer pour nous mettre, qui c'est meta tag là. Meta. Tag, là, j'ajoute information dans le website. Mais ta tag là pour ajouter information dans le corset. ITF minus 8 moins 8. Après, tag ça ferme pour quoi? Il y a besoin de tag qui pour fermer. Après, on finit. Là, on finit mettre tout tag ça là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tags ça nous save. Ctrl S ou bien la file pour save. Quand on prend le premier page, quand on prend le save, vous prenez le save dans le folder. Qui compte de faire folder, on peut faire dans le desktop. Nous pouvons chercher dans le desktop. My first website. Premier page website, là, elle suppose que c'est index. Premier page web save, là, suppose que c'est index. Pour qui raison? Parce que l'homme est sur le web server, l'upload website ou sur Internet, web server a son seul nom qu'on est. Seul nom page qu'on est, c'est index. Il va qu'on a qu'un autre nom page. Depuis que j'ai une page index, là, la cab a usé à toute l'autre page. Save. Après, nous parlons dans le folder, nous parlons dans le desktop pour nous regarder le website. Meni. Ouais. My first website. De vous parlez de taille de pour là. Depuis taille de pour là, par exemple, my first website. Website. Ou font y code ou pas bon. Ou font y ok. Mais website, nous parlons le faire jeudi. Mais website là. Ça c'est website, nous parlons le faire. Nous parlons le faire. Nous parlons le ça c'est website, nous pouvons le faire. Nous pouvons mettre le premier texte là. Welcome to my first website. Je vais tout copier. Tournez ce texte. Nous avons son heading. Heading tag. Heading tag H1. Nous faisons H1. Nous faisons H1. Ctrl V.
Nous-mêmes, nous pas juste taper ça. Welcome to my first website. Ctrl S pour save. Nous faisons. L'offre fait website. L'offre tape HTML. L'offre fait website. Chaque tag que vous mettez, chaque action fait, save et puis à la garder. Parce que pour l'offre en erreur, pour qu'on compte faire erreur. Nous relancer page. Ouais. Welcome to my first website. Là, là nous allons mettre texte. On a les nouer texte ça. Texte ça. Qui compte qu'a une texte ça, style texte ça, nous allons sur website ça. Lipson.com. Juste copier n'importe texte ou le baou là. Mais m'a copier parti ça. Moi quand mettre n'importe texte ou voulez, m'pa connait. Copier n'importe texte ou voulez. Est-ce une cage juste là qui texte ça comme ça là? Est-ce qu'il bon? Non, il n'est pas bon. Faut que texte ça non tag. Qui tag tag pied parce que ça son paragraphe. P. Nous fermons P en bas, en bas parce que là il se besoin d'un P. Ctrl S pour save. Allez, lancer. Nous un texte là prend toute page là. N'a besoin de mettre ça en mi-temps. Ma welcome to my first website là, en mi-temps. Et texte là, en mi-temps. Pour nous faire texte, nous, chita pas être comme ça sur le browser. Pour tout en ligne comme ça, nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, là nous, 1, 2, 3. Seulement 3 lignes, ni pas toute page à net. Nous te disons, mettez, break tag. Break tag. Nous avons besoin de juste copier. Copie. Coller devant chaque texte. Seul texte en bas, pas besoin de mettre. Ou pas besoin de mettre là. Parce qu'il n'y a pas de texte qui vient après. Ctrl S pour save. Nous avons regardé. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Lien en ligne. Nous avons mis deux tags là. Tag paragraphe. Tag heading, nous pouvons mettre tous les dessins dedans. Nous pouvons apprendre une voix attribute, je dis. Attribute, ça relève align. Align signifie aligner. Nous pouvons aligner H1 dans mi-temps ou bien à gauche. Align. Mais tag là, c'est align. Center pour mi-temps. Si nous devons la droite, nous mettre white. Si nous devons la gauche, nous mettre left. Nous mettre le poupé tout à align. Center. Ctrl S pour save. Nous relancer. Nous allons en mi-temps. Ok. On a le website là. Le website non. Nous allons mettre une ligne en bas. C'est comment nous mettre une ligne. Nous allons apprendre comment pour nous mettre une ligne. Ça, c'est un tag HTML. C'est un collier. Nous allons apprendre comment pour nous mettre une ligne. Ça, passer en bas. Pour nous mettre ligne en bas, en côté n'a mettre ligne si c'est en bas tag P, n'a juste mettre tag même j'abri tag lié, mais lui là pour mettre tag et ligne HR. Il ferme pour col. Ouais, Ctrl S pour save. Là nous avons cette là, nous ouais, il ajoute ligne là. Là nous pas mettre notre deuxième partie n'a voilà un deux tag, nous avons deux tags. N'a juste copier ça net. N'a juste copier ça net. N'a copier partie ça. Nous avons besoin de retaper code ça parce que même bagaille. N'a descend. Nous fait espace. Nous pas ça. Nous pas ça. Welcome to my first website. Nous n'a mettre who I am. Qui est-ce moi? Who I am. Après save. Ctrl S pour save. Et lancer. Ouais. Nous est là, moi j'ai une liste what I do. Website, web apps, mobile apps, computer apps. Nous allons faire liste ça. Qui liste ça? Nous est ça son liste, order list. Nous allons faire order list. On descend en bas HR. Premier tag.
n'a mette pas blé fon mette tag on tag qui dit voilà et douan et c'est h3 h2 ok what I do faut nous aligner faut nous dire n'a mis center on va mettre tag OL qui c'est pour order list. Nous faisons un tag là. Et nous allons mettre l'ici en dedans. LI Web Design. Comme nous allons mettre plusieurs, comme nous allons mettre plusieurs, comme ça, nous allons juste copier ça. Copie. Après, nous descendons. Coller. Nous allons mettre là. Web Design. Non, mais ça, website. What I do, website, web apps. Mobile apps. Computer apps. Ctrl S pour save. Nous disons chaque software fait save et puis elle garde. Parce que si fait erreur là, l'on lance l'op dit l'on fait rien. Mais si nous fait erreur là, nous quitté tout, nous avons fait celle save, nous ne pouvons pas faire rien. C'est difficile pour jouer rien. Nous allons relancer le website là. Nous allons faire un peu de temps. Web. Order list là. Est-ce qu'on peut faire attribute align? Non. OL pas prendre attribute align. Order list pas prendre attribute align. Pour nous faire passer dans le temps, nous allons faire un mettre un tag qui est. Store là pour CSS qui pour qui nous va mettre tag store et pas tag excusez un attribut store qui là pour CSS que nous va dire à gauche moi mais combien espace pour à gauche moi la mettre tag store pas ça c'est CSS nous va connaître CSS pas le problème juste copier code là après la mettre margin left là me dit à gauche si mettez à gauche 1000 pixels par exemple ok nous allons margin left 500 pixels et comme si me dit là voilà 23 avec ça presque collé si me dit OL ou même OL margin left 30 pixels là pas avancer là 1 2 3 4 5 6 jusqu'à ce qu'il va 30 pixels les quitter espace là. Ah mais c'est ça nous va dire liste là. Nous va dire merge à gauche bon pile espace à gauche. Si ta gauche retirer. On va l'obliger vous la mettre net. Nous faire contrôle S. Allez merci. Ouais. Voilà, il retire espace là. Living il était là, il dit bon quitter là espace seulement. M'bavlo là pousso. Besoin plus la mettre. Si on déballe 500 nous te balle 500, nous avons 580. Ctrl S. Nous save déjà. Nous lançons. Nous avons mis temps. Voilà. Nous avons fait ça. Et ça nous était connu pour faire My Skills. Nous allons mettre nous là. Ça, c'est un tag. Order list. Ça, c'est un tag. On order list. N'a fait même petit bail là, n'a juste copié ça. Parce que même bail, presque même bail là, nous pouvons le faire. N'a descendu en bas. N'a pas retiré, n'a retiré le texte là. N'a mis My Skills. Comme son tag on order list. IL. IL. Après, nous pouvons modifier ça. My Skills. HTML CSS Skills veut dire connaissance. jQuery Adobe Photoshop. Après, on a save. Ctrl S pour save. On est lancé.
Ouais, MySkills, HTML, CSS, jQuery, Adobe Photoshop. Et ça nous était pour nous faire quoi? Well, some question I know you would like to ask me. Quelques questions pour nous, t'as aimé poser. Nous allons. Qu'est-ce que ça est? C'est une songe. Lisa, c'est description list. Nous avons dit description list, on dit qui va bailler quelques définitions ou bien poser quelques questions pour nous tout répondre. On va décrire quelques bagages. Nous mettez DL qui vous description list. On donne DT is description dumps. Après, on mettez première question. What is your name? Nous gamba bah, n'oubliez mettez. Là, nous mettons H en ligne en bas. Nous allons mettre en ligne en bas, en bas. On retourne sur page. Nous allons mettre en ligne en bas là. Ligne ça, nous allons mettre. Voilà, nous pas de gain. Nous allons mettre ligne ça. Ici, à tag HO. HO. Ctrl S, save. Après, nous allons regarder page. Ouais, il mettait ligne là. On tourne sur texte éditeur nous. Premier bail, nous allons mettre, nous allons mettre heading tag qui pourrait présenter description list. La H3 tout. Some question I know you would like to ask me. Ok. Nous finis. What is your name? Nous posons des questions, nous allons répondre. Didi, description definition. My name is Israel Baptiste. Pabli, nous allons poser plusieurs, nous poser plusieurs questions, nous avons tout défini, nous avons juste copié ça. Abonnez-vous là. Ouais. Have you learned? Ça, c'est très facile. Qui nom? Nom, c'est Israël Baptiste. Qui compte t'apprendre? Where have you learned? Web design. Qui compte t'apprendre web design? I learn. Je vais apprendre web design. With sac passé tito. Moi, après, nous déjà avec ça passé tutoriel. On va le mettre deuxième. Nous, on va le passer encore. Et trois questions à poser, on va tout répondre. Are you Christian? Est-ce que c'est un chrétien? Are you? Oubliez, mettre un bagage, oubliez. Question mark. Oui, mettez pour une interrogation. Mettez dans l'air. Are you Christian? Yes, I am. Yes, I am. Contrôle S pour save. Nous allons regarder. Ouais. Qui ça nous était pour nous faire là? Nous était pour nous voir ça en mi-temps. Pour nous voir ça en mi-temps. Dans H1, nous allons voir, nous allons en H3, nous allons passer l'attribut à align. Align. Synthé. Nous allons mettre pour DL. Il va prendre. Mais on a obligé de passer nos CSS qui c'est style. Après, nous mettons margin, left, à gauche, nous avons besoin de 300 pixels, espace, 5, comme elle est à 580, pour le calcul, 580 pixels. PX signifie pixels, unité de mesure dans HTML, pour n'importe programming language. Pour CSS, Java, Pixel. On fait Ctrl S pour save. Allez, merci. Ouais, Evin Johnny. What is your name? My name is Israel Baptiste. Where have you learned web design? I learned web design with SacPasset tutorial. Are you Christian? Yes, I am. Website là, fini. Fais pratique. Fais ce website là. Même gens. Dans l'autre vidéo, pour le venir, nous allons apprendre à mettre link.
Nous allons apprendre comment pour nous ajouter, comment pour nous créer plusieurs pages. Lorsque vous cliquez sur Home, vous allez sur Home. Lorsque vous cliquez sur About, vous allez sur About. C'est Israël Baptiste. Pour plus d'informations sur moi, juste à le sous-net là, tapez www.israeldesigner.com.